Hey, salut fait YouTube, je suis SuzuCube et je suis super content de vous retrouver pour Dead Space sur la vanne, carte d'escorte, et surtout on a enfin les deux nouveaux skins qui sont sortis de l'Overwatch League. Il faut être dans les All-Stars, voilà. Ah mince, j'ai pas acheté le... Ah si, il est toujours là, le Lucio. Bah du coup, grâce aux 100... J'ai gagné deux fois 100 jetons sur le... en regardant des matchs de l'Overwatch League. Donc du coup, je vais prendre à la fois... Je vais prendre d'abord la Ange. Putain, elle est magnifique. Et le Lucio. Voilà. Comme ça, j'ai les deux. Et le Lucio, bah, j'ai pas le... C'est vrai qu'on verra après. Mais j'ai eu deux fois 100 jetons. En fait, j'ai même pas acheté de jetons. Du coup, j'ai eu vraiment de quoi acheter... Ce skin, voilà, tout simplement. Je voudrais aussi ajouter Julia. Je sais pas si elle est toujours là. Ah bah elle est toujours là. Hop. Voilà. J'ai joué avec elle tout à l'heure et puis ça s'est coupé. La vanne en 6 contre 6. Bon, on se met en arcade exprès. Puisque bon, voilà quoi, je... On n'est pas sûr de tomber dessus sur les modes contre la montre et tout. Enfin, contre la, les modes de quick play, autant pour moi. Le quick play. Ah, cette musique, c'est à côté de chez moi. Ce serait parfait pour jouer Baptiste, en fait. Non, on va jouer Mercy. Ah, merde, j'ai oublié de changer les skins. Regardez le skin All Stars, regardez. Oh, putain, il est magnifique. Ah, et franchement, il défonce. Ça me donne envie de continuer de jouer Mercy. Ou de recommencer à jouer Mercy, je sais pas. Je veillerai sur vous. Plus de soins en... Bon, regardons un peu ce qu'il y a. Les voitures. Alors on a des vieilles voitures de Cuba. Enfin on a des anciennes voitures américaines, comme si les mecs les ont récupérées. Et on va adapter dedans les technologies actuelles de roue, là, d'évitation. La route où se déplace, où se passe la cinématique, on peut pas être dedans. Mais c'est là, il y a la cinématique de début, là, ils arrivent là, bam. Enfin, la cinématique qui était dans l'event. Mais l'event est terminé, en fait. Je crois que j'avais eu tous les skins, en fait. Bon, fiche un peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Valentin est très mauvaise parce que je ne joue pas avec mon VPN. Donc du coup je suis sur les serveurs brésiliens. Mais bon, comme on a tous des pings dégueulasses sur ces serveurs, ça ne change pas grand chose. Voilà. Ça fait vachement ouvert. En tout cas, il n'y a pas de son particulier avec ce skin. Le bateau, il est assez classe. Il est cool. Le Golden Gun dessus, ça c'est cool. C'est vrai que c'est notre diva qui volait, mais... C'est compliqué quand même. Ah bah il y a tout qui me... Putain, il est grand cette zone là, c'est un respawn. Ah non, même pas. C'est juste que t'as des trucs pour... pour aller flanqueur en fait. Il est très fréquenté en fait. Je pensais qu'il y aurait personne dans cette zone, mais... Là, on peut pas casser... Si on peut. Je sais pas pourquoi j'ai pas cassé. Alors regardez, on peut les prendre de là en fait. Bon, dès que je meurs, je passe sur Lucio. Je sais pas où est leur respawn en fait, du coup je sais pas s'ils sont loin ou s'ils sont prêts.
voiture. Je vais quitter la partie. Tu vois. Et ouais, c'est perdu. Et c'est là où il y a la météo dynamique. Du coup, je sais pas comment ça marche. C'est-à-dire que la partie qui est derrière là, là, il fait encore beau pour le moment. En fait, je suppose que quand tu rentres, ça ferme la porte. Putain, mais il est fou le mec. T'as besoin de que dalle de soins. Hein, Marie. Ouais. Kenji, ça va? Ça se passe bien? Tu le tues, oui ou merde? Là, il fait beau aussi. C'est bizarre. Je croyais qu'il y avait une tempête. Donc la météo dynamique, c'est uniquement pour le PVE. Qui n'existera plus, d'ailleurs. Enfin, à part l'année prochaine. Il devrait vraiment laisser les modes PVE. Je pense que ça mange pas de pain et en recréer chaque année, tout simplement. Je pense que ça pourrait amener d'autres types de joueurs, en fait. J'aime pas le temps d'ultimate. Assez naturel. C'est vrai que c'est pas pareil de jouer là qu'en mode PVE, hein. J'ai l'impression d'être sur une autre carte. Enfin, je reconnais les endroits, mais les positionnements et tout, ça n'a rien à voir. Ça a le crap qui est dans mon dos. Les héros ne meurent jamais. Vous avez besoin d'un je sais même pas quoi elle ressemble. Ah, je peux pas faire du... Hop là. Ah ouais, putain, ça brille. L'occasion de changer. Effectivement, elle est pas... Moi, je pensais qu'il y avait la météo qui changeait, mais pas du tout. Ah, autour de Lucio. Oh, pas Lucio, ça. Je veillerai sur vous. J'ai l'œil. Retourne au combat. Laisse-moi. Bon, pas, on va gagner. Puis, au retour, on va prendre le feu. Je suis attaqué. On meurt quand on tombe là? Waouh, qu'est-ce que je fous, moi? En fait, je croyais qu'on mourait en tombant là. Et en fait... Les gens qui ont dû se dire, c'est qui cette mère si curieuse, quoi. Putain, mais le respawn est loin. Oh, oh là là. Mais... Je me sens attaqué. Pas de météo dynamique. Reprenons depuis le début. J'ai besoin de soins. C'est décevant d'une certaine manière. Juste à fait avancer le pouvoir. Avec le convoi.
Ah oui, d'accord. T'as vraiment des emplacements sniper. T'avais pas deux pontons en bois pour les widows? Ah, ils ont retiré. Vous savez, à côté du château, à gauche et à droite, là. Là. Et là, il y avait des positions pour widow. Là. Et là. Elles ont été retirées, visiblement. J'ai quand même l'impression que Mercy est plutôt pas mal puissante ici. Parce que, en fait, l'espace est extrêmement ouvert. J'ai l'impression que Pharah aussi est vraiment ouvert puissant. Ah ouais, tu veux vraiment voler haut, quoi. Je retourne au combat. Tu vas en ligne. Montez le son. Tu devrais atteindre le sommet de combat. Je me demande si ma sensi elle est bonne sur vous. Merci. Elle devrait peut-être être plus élevée encore. Pas le bon. Le convoi est arrêté. J'ai besoin de moi. La meuf, elle s'est barrée sans soucier de la mercy et maintenant j'ai besoin de soins. Hein. Que dalle. Attends, en bas de l'autre côté. Hé, hey, Piu Piu, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Ah d'accord, ça finit juste comme ça la victoire. Arrive au bout et puis basta. Un peu comme Numbani qui a disparu des serveurs d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Aïe, j'ai peur qu'on puisse pas faire la défense. Il y a un peu trop de monde qui a cliqué. Ouais. Après, ça laisse 20 secondes au jeu pour trouver de nouveaux joueurs, quoi. S'il vous plaît. Ah, c'est chiant. Je vais le laisser quand même parce que je me dis que peut-être que le jeu sait quand même ce qu'il fait. Il va peut-être nous mettre en défense. En route vers la Havane. La Havane. Pam 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 pam. Le jeu sait ce qu'il fait. Il s'est mis en défense. Bon, la skin de Lucho est un peu moins classe. Il est cool, mais il est pas aussi classe. Vous en pensez quoi du skin de Lucio, vous? Il parle pas français, en fait. C'est surtout pour ça.
Il y a une nouvelle musique ? Il n'y a pas de musique. C'est vrai, il n'y a vraiment pas de musique. Les attaquants arrivent dans 30 secondes. Vous allez kiffer. Ah si, c'est la même. Ah, le truc aurait pu être un peu plus... qui est un peu plus de... Je sais pas. 200 jetons de l'Overwatch League, c'est... C'est 10 euros hein, le skin. Hein. C'est 5 euros les 100 jetons, je crois. On va faire une vidéo spéciale sur les deux skins au passage. Hein. Tiens, mais je suis dans le coin ennemi, tu sais. Je comprends rien. En fait, quand tu joues, merci. Comme les positionnements ne comptent pas vraiment, parce que tu te positionnes là où est ta team, bah ça t'aide pas à comprendre les positionnements dans un game. Quoi. Avec l'autre chose, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que tu te déplaces. Je sens quand même la map où. Tu vas arriver juste avant la fin et ne pas rester à la fin. Ouais, le respawn il est loin. Ah mais ouais, mais ça oblige à regrouper, mais vraiment. Ah ouais, très dur à défendre. Autant en attaque, les gens tendent à se regrouper naturellement. Autant en défense. Ça, c'est mon son. Ça va être compliqué tout ça. Merci, Orisa. Ah, c'est un nouveau point de respawn, donc ils ont validé le deuxième point. C'est une horreur à healer. Ah, il y a un aim fort. La charge de notre invitation est prête. C'est beau, j'aime bien la lumière. C'est toute résistance. Ah mais il y a un mur invisible. J'essaie de fuir. Ouais, pareil, la tourelle à l'entrée. Ça tue! Accélérons! Bon, bref,
voilà notre nouvelle carte. Havana, Cuba. Non, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment pour le moment. Mais bon. C'est peut-être les compositions qu'on avait en tir de défense qui n'étaient pas optimales. C'est vraiment une carte très 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 ouverte. Enfin voilà. Bon, en tout cas, moi je vous laisse. Je vous dis à tirer d'Otaku et à bientôt sur otaku.fr. On se fait une petite vidéo aussi sur les deux skins. On va découvrir plus en détail. Ciao ciao.